Est-ce que vous avez déjà marché sur un Lego? Est-ce que vous avez déjà marché sur de la lave? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous cogner le petit orteil? En général, ça arrive de se faire mal pour à peu près tout et n'importe quoi, parce que notre corps humain est trop bizarre et qu'on aime bien se taper dans globalement tout ce qui fait mal. Donc aujourd'hui, on va réagir à des vidéos de souffrance. Oui, c'est le truc le plus bizarre que j'ai fait sur ma chaîne. En gros, là, le but, c'est de regarder les pires douleurs sans faire... Aïe caramba! Avant que ça commence, oublie pas le petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne, activer la cloche, t'es un gros BG. T'es un gros BG, alors abonne-toi! Et on commence la vidéo, thanks, maintenant! Ok... Ah putain non! Il y a les douleurs psychologiques! Non mais attendez, parce que là les gars, celle-là elle fait vraiment mal par contre. Quand tu fais ton meilleur off, et qu'il y a le jaune qui jaunit le reste... Et quand t'ouvres et que la feuille... Oh là là! Ça les gars, c'est tous ceux qui n'avaient pas de copie double ou de copie simple au collège! Ok, là il y a un pétard. Ah non, 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 si le pétard il pète pas, je suis dégoûté. Oh non, s'il pète sur place, c'est pire! C'est une petite fusée, décolle. Moi je suis très déçu les gars. En fait cette vidéo, c'est la vidéo de la frustration. Je fais que être frustré. Je suis le frustré de Konoha. Ok, quand il n'y a plus de dentifrice. Oh, combo. Quand il n'y a plus de dentifrice et que le peu de dentifrice qui reste, il tombe en bas là. En bas là. Non mais ça c'est triste. Alors là je suis dégoûté. Le scotch. Ah, quand t'arrives pas à trouver. Eh, c'est qui les bâtards qui font des trucs de scotch cassés partout? Parce que les gars, le scotch, ça existe depuis des années. Il n'y a pas un mec qui a créé un scotch solide et simple à déplier. Dame. Ah non, non. L'étiquette qui s'arrache à moi, tu sais pourquoi? Mais qu'est-ce qui va pas? Oh là là, le mauvais port USB. Frère, moi je dis, venez, on crée des ports USB dans les deux sens, ça rentre. Ça existe déjà? J'en veux 10. C'est horrible. Mec, vraiment, là, je sais pas qui a créé cette vidéo, mais chaque moment de la vidéo, c'est de pire en pire. Perdre son téléphone. Mais du chaos! Quand il n'y a pas internet. Mais non, mais attendez, non, mais ça c'est même pas quand il n'y a pas internet, hein. Ça c'est quand il y a internet, mais que tu pues la merde. Mais non, mais les gars, ça c'est horrible! Genre, vous savez, quand il y a internet, genre théoriquement tu vois les barres, t'arrives à te connecter au réseau, mais tu sais pas pourquoi il veut pas se connecter. Et il te met ça là, c'est le pire qui peut arriver, vraiment. Pourquoi chaque moment de cette vidéo c'est de plus en plus frustrant? Non! Il y avait quoi là? Mec, il a juste baissé son froc. Mec, c'était la vidéo la plus dangereuse que j'ai vue de ma vie. Mais le pire, c'est qu'il y a une suite à cette vidéo. Tout ce qui vous fait souffrir en une vidéo. Ah, quand t'arrives pas à le prendre. Ah, j'aime pas quand c'est minutieux comme ça. Mais ta grand-mère, mais achète une règle au lieu d'utiliser ta carte bancaire comme règle. Ah, vous me rendez fou. Ah, vous me rendez fou. Cette vidéo va me faire péter un câble. Quand il n'y a plus rien dans le frigo, c'est le moment le plus triste. Moi, il n'y a jamais rien dans mon frigo. Je suis tout le temps triste. Pourquoi là, il n'y a que des choses qui me mettent vraiment dans un état pas bien? Je veux savoir, à ce moment-là de la vidéo, déjà, qui regarde encore la vidéo? Si vous regardez encore la vidéo, tapez Rayton TBG en commentaire. Oui, je sais, je suis BG. Les gars, tapez ça en commentaire. Et surtout, dites-moi, pour l'instant, quelle est la chose qui vous fait le plus mal? Quel est le truc du quotidien qui vous rend malade? Moi, ce qui me rend malade, c'est quand je me cogne le pied. Après que je sois sorti de ma 10e Lamborghini, ça me fait toujours mal, ça. Et ça me fait encore plus mal de savoir que c'est complètement faux. Je n'ai pas de Lamborghini. J'ai seulement une Ferrari. Non, c'est faux, ça aussi. J'ai pas de voiture. Petite pause dans la vidéo pour vous rappelez que si vous êtes sur Paris en septembre, que vous avez un talent que vous pouvez faire sur scène et que vous voulez participer à une de mes vidéos, j'organise un énorme concours talent abonné et il faut juste envoyer une description de votre talent ou une vidéo de votre talent au mail qui est affiché juste ici, qui sera aussi dans la description de la vidéo. J'espère que vous serez nombreux à participer et on se retrouve sur scène. Non, mais pourquoi frère? Attends, tu marchais très bien. Mais aussi, attends, alors je suis pas d'accord. Si aussi, toi t'es comme ça, quand tu marches tu fais forcément que t'en mets partout. Espèce de zouave. Ah, ce cognet là, là c'est le pire. Les gars, en ce moment j'arrive pas à me faire mal en plus ici. Et des fois je touche et je suis en mode ah sa mère ça fait mal. Mais je pense que je vais me tatouer à cet endroit là bientôt. Oh la cuillère, l'erreur du débutant qui apprend à faire la vaisselle. Oh là le combo. Il doit faire ses lacets, lunettes elle tombe. Du coup vu qu'il se penche, ses clés elle tombe. Du coup vu qu'il se penche, sa casquette elle tombe. D'ailleurs tout le monde, si vous aimez bien la vidéo réaction, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Rayton 3.0 qui est en description et qui est une chaîne YouTube spéciale vidéo réaction. Alors je compte sur vous pour vous abonner. On est actuellement pas encore 10 000. Alors venez, on tape les 10 000. Allez vous abonner maintenant.
Les amis, l'objectif d'une caméra, ça va de ça à ça. Donc c'est quand même pas très grand. Telle est la probabilité pour qu'il y ait un mec qui shoot dedans pendant une partie de baseball. Parce que là, franchement, mec, je pense que le taux de chance c'était de 1 sur 1 million. Hein. Mais comment tu continues l'émission quand ta caméra, elle voit plus rien? C'est tellement moi quand je fais des travaux chez moi. C'est exactement ça. C'est vraiment moi. Il a percé un seul trou. Il venait juste de commencer. Et c'est déjà le bordel. Là, c'est un mec qui a laissé le robinet allumé pendant bien trop longtemps. Au point que le mur se barre. En vrai, sur le moment, ça va être un peu drôle. Enfin, après, du coup, tu dois pleurer. Mais là, sur le moment, en vrai, t'es en mode... Oui. Alors là, les gars, c'est un gâteau d'anniversaire à 10 000 $. Quand tu mets 10 000 $ dans un gâteau, t'as intérêt à ce qu'il soit... Al dente. Coordinated Stooges. Ah, c'est horrible de se dire, il y a 10 000 € par terre, là. Mais 10 000, mais c'est horrible! Heureusement, c'est pas les miens. Là, c'est une vidéo de fail qui va vous coûter très cher. Genre, globalement, là, vous allez voir des gens perdre 1 000 € par minute. Ok, on commence. Ok, donc là, ils ont un mur. Ah mais non, c'était pour la cuisine. Bon, au moins, ils ont pu tester leur truc et c'est de mauvaise qualité. Hein. T'as lui qui était sûr que c'est de mauvaise qualité. Lui, il est déçu. Et lui, bah, il est viré. Ah ouais, quand la voiture est tellement rapide que le moteur va plus vite que la voiture et dépasse la voiture. Du jamais vu. C'est vraiment américain, là. Des gros 200 chevaux. Ok les gars, là c'est un endroit que nous, les gamers, on sait très bien ce que ça vaut. Il y a des cartes SD, il y a des caméras, il y a des PS5, il y a des Xbox. À votre avis, qu'est-ce qui peut mal se passer? Tout. 100 000 €. Et... 200 000, 300 000 €, je pense. What? Ok, donc là, il y a le livreur qui est en train de monter dans les escaliers un tout nouveau frigo. C'est le genre de frigo qui a que chez les riches. Celui-là où tu peux mettre un verre et t'as des glaçons. Oui, il y a que ça chez les riches. Oh non! Ah, ils sont vraiment éclatés. Enfin, pas autant que le frigo, du coup, mais ils sont vraiment éclatés. Mais la meuf, elle est bannie de tous les bowling de France. Attends, elle a pris la boule. Je crois qu'elle a pas compris le jeu. Elle a lancé, ça a cassé le plafond. Genre un peu comme ça. Tu vois, il y a le plafond qui est cassé. Genre, elle a cassé le plafond, il y a clairement l'eau et tout qui est parti en couille. Mec, elle a fait sortir de l'eau noire. Elle a fait sortir un chakra sombre. Go sideways when the interior and exterior are... Oh merde. J'avais jamais pensé à ça, il se passe quoi si tu gardes ton coffre ouvert? Mais là, tu vas te faire déglinguer en fait. Le gars, il est venu pour sa voiture, elle est repartie encore plus cassée qu'avant. Oh. Bah, au moins, elle a pas l'air trop endommagée. Celle-là, en plus, ça se voit, c'est une voiture qui a l'air de coûter cher. Bon, je me connais pas en voiture. Mais elle, elle est stylée. En vrai, ouais, bien. En plus, elle a tenu, elle a des bonnes suspensions. Je pourrais être vendeur de voiture, putain. Ok, les gars, là, je vous mets dans le contexte. L'iPhone 6 vient tout juste de sortir. Et là, c'est la toute première personne au monde à avoir acheté l'iPhone 6. Regardez ce qu'il fait. Ça se voit, il est heureux quand même parce qu'il a, tu vois, l'iPhone. Mais là, il réalise dans quel point il est dans la merde. Plus gros, le vase. Hein. Plus gros. Les fleurs, elles font quelle taille pour que tu les mettes? C'est des grosses fleurs comme ça? C'est Ponce la fleur. Wow. Non, mais ça rentre pas! C'est pas comme dans Zelda, il n'y avait pas de rubis à l'intérieur. Là, on a ce qui me fascine. Moi, les gars, j'adore les Lego. Et là, c'est une personne qui a passé plusieurs milliers d'heures à construire une Harley en Lego. Donc, une moto vraiment très classe, tu vois ce que je veux dire, en taille réelle. Donc là, la moto, elle est finie. Je crains le pire. Là, c'est même pas une valeur d'argent. C'est sentimental. To destroy 135 hours of hard work. Là, je pense que dans sa tête à lui, là, ce qui a fait le Lego, il est en mode « Oh, j'ai envie de mourir. » Et l'autre qui se tape une barre et il balance une blague, c'est un fils de pute. Mais pourquoi vous rigolez tous? C'est des bâtards en vrai de vrai, hein. Les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mets ton plus gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne maintenant pour rejoindre la communauté. Viens me suivre sur Instagram et en live sur Twitch si tu veux voir plus de Rayton. Au moment où je vous parle, je viens de poster une vidéo secrète sur ma chaîne YouTube Rayton 3.0. Allez dans la description de la vidéo maintenant, cliquez sur le lien et kiffez une vidéo exclusive de Rayton. Et abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Peace!